dit de grimper nous-mêmes. Voilà. Ah, tu te souviens même pas de mon nom, enfoiré. Effectivement. Là, si on quitte l'écran et qu'on revient, on a le droit à des textes supplémentaires. Ah non, celui-là non. Mais eux deux. Mais tu n'as pas peur qu'Avalanche réplique? Tu trembles, tu es si charmant. Je crois que je suis amoureuse. Effectivement, le type, force d'avoir peur, bah, il arrive à draguer la fille. C'est bizarre. Claude, alors tu te moques toujours de ce qui arrive à la planète? Oui, je m'en moque. Tu n'as pas changé. Tant pis. Ça va, Leonard, il y a 150 espaces pour les sauvegardes. T'inquiète, j'ai réussi avec la retrade à en faire plein sans remplir tout. Enfin, quasiment. Ça se voit pas? J'ai le bide ouvert et je me vide de mon sang. Ah, cool. Tu es blessé. Merci, Cloud. Ne t'en fais pas pour moi. Barrette se bat là-haut. Va l'aider. Donc il y a un seul ennemi hein, sur ces escaliers. A priori. Je devrais tomber dessus. Voilà. Les combattants aériens. Les soldats aériens, même. C'est aérocombattant dans la version d'origine. Tentative de vol a échoué. Oui, c'est vrai que j'ai un peu mal à la gorge de la force de parler. C'est pas facile, hein. Je comprends pourquoi il y en a qui font des lives en buvant beaucoup. Je bois de l'eau, hein, je précise. Pourquoi? Oh Cloud, je suis contente d'avoir pu te revoir une dernière fois. Certes. Certes? Ah, calme comme toujours. Ex-soldat avant tout. C'est peut-être mieux ainsi. Ne dis pas dernière. Ça va aller. Beaucoup de gens sont morts à cause de nous. C'est sûrement notre punition. Oh non, j'en combat pas 3. Il boit de l'éther. Mais tu fais ce que tu veux, Sequel. Tifa, Cloud, alors vous êtes venus. Attention, ils attaquent de l'hélicoptère. Il faudrait mieux de s'équiper avant qu'ils n'attaquent pour de bon. Hop. On va mettre un petit truc à barrette. Restaurer, tiens, tant qu'à faire. Non, on va mettre ça à Tifa. Ça sert pas à grand chose. Quoique Tifa est froide, hein, je l'aurais bien mis glace. Les voilà. Oh non, le bêtisphère, mon rêve. Vous arrivez trop tard, dès que j'aurai appuyé sur cette touche. Et voilà, mission accomplie. Bah, il suffit d'appuyer sur une petite touche pour détruire tout le pilier. Logique. Nous devons la désamorcer. Cloud, Barrette, je vous en prie. Pas question, je ne laisserai personne entraver la route de Reno des Turcs.
pyramide. Essayez de la détruire pour voir. On fait partie des textes qui ont été un peu remaniés, hein, les textes de combat également. Donc il a 1000 HP. Bâton électromagnétique. Pas électromag. Salut Goblon. Tu viens souvent dans le sauna, t'es Toddy? Oh mais tu as la fesse bien ferme en plus. Là des mal en point, mais non, taillette croisée, attaqué par les ennemis. Et donc c'est pas très actif le chat aujourd'hui comparé à l'autre fois. Les gens auraient perdu confiance en mes problèmes techniques. Non, c'est juste parce que les gens préfèrent profiter sans parler. Chaud, le premier game over. Enfin non, je peux être game over. Ouais bah il peut enfermer deux personnes et en tuer une autre, donc par contre il peut pas enfermer trois personnes. Là faudrait peut-être que je fasse quelque chose là. Bon allez, il va se barrer là bientôt. Ah Icarus, d'accord. Toi aussi tu es en silence. Tu es bercé par ma voix suave. Suave. Swag. Tiens c'est bizarre, barré, tes HP sont en rouge. Ah oui, parce que oui d'accord, ok. Non, j'ai jamais remarqué. Les HP sont en rouge pour les persos qui en sont emprisonnés parce que ce statut est considéré comme un statut mort en fait. Et quand on va dans le menu pour utiliser des objets, les HP apparaissent en rouge. Marrant. Comme quoi on en découvre tous les jours. Hein. On en découvrira même dans le remake. C'est bientôt l'heure. Rien, on monte en niveau. Hein. Hop. Je me demande ce que va donner cette petite retournée de Tifa dans le remake. Typiquement le genre de truc qui passe bien dans un graphisme, dans un jeu avec ces graphismes-là. Mais... Bon sang, c'est une bombe à retardement. Cloud, je ne sais pas comment arrêter ça. Essaye. Pas mal ça. Non, tu t'en iras pas. J'ai pas envie d'essayer. Tu ne t'en iras pas. Quoi? J'ai fait bugger le jeu. Non. Oh non. Pas ça. Oh non. J'ai jamais eu de problème ici pourtant. Bon. Bon, bon, bon. On va faire un petit reboot, hein. Oui, j'ai sauvegardé en bas du pilier, bah ça va aller vite hein, de remonter, mais... Ah, j'ai la rage, là. Pourquoi? Pourquoi je vais parler de ce côté-là? Bon. Bah, c'est parti, hein, je relance. Enfin, je regarde la fenêtre en plus, fait chier. Vous me direz si la fenêtre est bien positionnée. Ah ouais, non, émulateur, je quick save pas. Faut que je la baisse.
D'accord. C'est bon. Bon bah je commence déjà, hein. Comme ça on va pas perdre trop de temps. Je vais même pas parler à Biggs et à Jess parce que j'en ai rien à battre. Un peu plus à droite, effectivement. Ah, ça va, c'est bon. Hop. Non, non, mais parfois quand tu pointes pas sur la fenêtre, t'as pas le son. Oui, mais là je viens de repointer sur la fenêtre, c'est pour ça. Un peu plus à droite, on va te faire foutre. Bon, on va maintenant éviter de se mettre en travers du chemin de Tifa. That fail. Ouais, ce genre de bug, il y en a beaucoup dans le jeu, mais là, bloquer le jeu, quand même, point de bloquer le jeu, je pense pas. C'est un peu. Vous voyez une mini bande blanche à gauche, c'est ça? Bon, je suis pas sûr qu'il y était tout à l'heure. Ouais. Non, on va faire comme ça. Le bug du labyrinthe en... Bon, du coup, j'équipe même pas Barrett, hein. Ouais, bon, Reno, ça va aller vite. Je vais lui balancer des grenades, ça va le faire. Ça va aller plus vite. Ah oui, le vent, oui, sur les jeux modés, effectivement, il y a un bug au labyrinthe tornade qui est pas terrible. Ah, il a paralysé Tifa, cet enfoiré. Les soins, en fait c'était Iris qui avait les soins. Non, parce que j'ai recommencé. Ah, fallait pas utiliser la foudre sur lui. Il résiste. C'est bien le premier boss qui résiste à la foudre. Keno. Oui, beau aucun. Cloud qui se fait mettre KO par une matière de destruction. Bon, c'est Scran qui commence à partir en même temps. Quand Sephiroth voit la matière de destruction dans le manoir. Tu as pris Vincent pour constater qu'il n'y avait plus de bug. Polygone à ce moment-là. Parce qu'effectivement, il y a un bug avec Vincent, là, le polygone, pendant la mort d'Aeris. Ah, désolé pour le spoil. Et donc, juste avant, juste après l'avoir récupéré, si on le prend dans l'équipe, on va voir Sephiroth dans le manoir, dans le présent. Il a aussi son modèle buggé, qu'on a corrigé normalement. Mystère a corrigé ça dans le patch. Bon. Alors, Tifa. Oui, je vais essayer, bah oui. J'aimerais bien, mais si tu te pousses pas, je peux pas essayer. Hein. Non. Tout à fait, tu auras du mal à désamorcer. Elle explosera la figure du premier imbécile qui y touchera. Ting. T'en prie, arrête là.
Seul un cadre de la Shinra peut régler ou désamorcer le système d'urgence de détachement de la plaque. Ferme-la, imbécile. Je n'essayerais pas si j'étais toi. Tu ne voudrais tout de même pas blesser notre invité. Aerith. Oh, vous connaissez? Ta mère met ça? Elle a cliqué dans la signature de JR ou quoi? Quelle chance vous avez de pouvoir vous revoir une dernière fois. Vous devriez me remercier. Ce cynisme. Qu'est-ce que tu comptes faire de Aerith? Non, à la fin du jeu, il y a marqué 500 ans après. Ou plus tard. Je ne sais pas encore. Nos ordres ne consistaient qu'à capturer le dernier représentant des anciens. Ça nous a pris du temps, mais je vais enfin pouvoir en informer le président. Tiffane, t'inquiète pas, elle va bien. Bam! Dans ta face. Aerith! Dépêchez-vous de sortir de là. Ha ha ha, bien, ça ne devrait pas tarder à commencer. Vous pensez pouvoir vous enfuir à temps? Donc là, Fistose, je ne sais pas si tu es encore là. Magus, tout le monde connaît Magus, c'est pas possible. Non, parce qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas Magus. Lorsque la plaque commencera à tomber, il sera trop tard, nous devons faire vite. Et donc Fistose, maintenant que tu as posté, tu vas pouvoir admirer la cinématique de l'effondrement de la plaque. Alors Barrett a du mal à trouver le câble. Tu te dépêches Barrett. Eh, j'ai déjà parlé, mais j'espère qu'il va trouver le câble, parce que j'ai déjà eu un bug il y a très longtemps comme ça, où Barrett ne trouvait pas le câble. Il tournait incessamment. Tu vas pas me faire ça en live quand même. Eh, ça fait 2 heures qu'il tourne en rond, il a toujours pas trouvé le câble. T'es con ou quoi? Ah, fallait lui parler. À lui. Bah c'est bizarre, mais voilà. On pourrait utiliser ce câble pour s'enfuir. Et donc voilà, tu vas pouvoir voir la cinématique d'effondrement de la plaque avec en particulier l'écran du Honeybean dont je parlais tout à l'heure. C'est l'écran avec une télé, avec un fond violet, un papier peint violet. Où on voit la télé qui s'éteint au moment de l'effondrement de la plaque. Enfin, ça c'était un écran du Honeybean qui a été supprimé. Celui-là, voilà. On le voit parfaitement dans les données du jeu japonaise. Et là, le 7ème ciel, bien sûr. Ah, sûr et certain. Oui, avec la télé et tout ça. Non, non, c'est bien celui-là. On voit les rideaux et le décor qui est le même. L'effondrement de la plaque, bien sûr. Qui, par la suite, on va pouvoir le lire à la télé, n'a fait aucun mort. Bravo la Shinra et ses équipes de secours. Bien sûr qu'elle y est dans la version PayPal. Version PayPal. Une version payante du jeu. Enfin, une version PayPal du jeu. Ah, et ce passage notamment que j'adore. Une fois retraduit, on a laissé quand même des mots un peu crus à Barrett. Tels que bordel. Parce que dans la situation, c'était quand même pas mal de voir les vrais sentiments de Barrett. C'est pas le Honeybean puisqu'on peut passer. Ah mais c'est pas bête ça. Mais non, mais si c'est le Honeybean, vu que la plaque s'effondre, mais pas sur cet endroit là. Il y a juste la télé qui s'éteint, mais ça n'écrase pas ce secteur là. C'est le secteur d'à côté qui se fait défoncer. Ah bah si, Striden, c'est le 7ème ciel justement. Cap 4 effectivement, voilà. C'était un petit lapsus pour vous forcer à faire des dons. Donc je rappelle, il y a un bouton de don en dessous de la vidéo, n'hésitez pas, hein. Ça m'aidera. L'endroit où était enregistrée l'émission est écrasé. Possible que l'émission tournait dans le secteur 7. Biggs! Wesh! Chess! Bordel! Bordel! Bordel!
Bon sang, pourquoi? Ah! Hé, Barrette. Barrette! Et Barrette ne s'arrête pas. Ah! Hé! Barrette, je t'en prie, arrête! C'est officiel, je n'aurai plus de voix avant la fin de ce live. Philippe! C'est ça le dialogue que j'aurais de mettre. Ce sera également incorporé dans la 1.2. Voilà. Philippe! Bon sang! Cette déprime de Barrette. Marlène! Sa sœur. Et Barrette! Marlène, sa sœur va. Je crois que Marlène va bien. Pas fausse, crâne. Hein? Après sa capture, Aerys a dit « Ne t'inquiète pas, elle va bien. » Elle parlait sûrement de Marlène. Vraiment? Mais... Bix, Wesh, Jess... Ils se trouvaient tous les trois dans le pilier. Je sais. Mais nous nous sommes battus tous ensemble. Je n'arrive pas à croire qu'ils soient morts. Tout comme les autres gens du secteur 7. Bah là, ça n'avait rien à voir dans la version d'origine. Hein. Barrette insultait limite les gens qui étaient morts. Il disait que les gens du secteur 7 polluaient tout. Oui, c'est affreux. Ils ont foutu en l'air un secteur entier juste pour nous avoir. Ils ont tué tellement de gens. Tu penses que c'est de notre faute? Parce qu'Avalanche était là? Des innocents seraient morts à cause de nous? Non, Tifa, c'est pas ça. Bien sûr que non. C'est pas nous, c'est cette foutue Shinra. Ça a toujours été la Shinra. Ça a toujours été Fanny. Ils ont le mal en eux. Ils puisent l'énergie vitale de la planète, rien que pour asseoir leur pouvoir et se remplir les poches. Ils vont détruire cette planète si on ne les arrête pas. Notre combat ne sera pas terminé tant que l'on ne se sera pas débarrassé d'eux. J'arrive jamais à lire ce texte. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu ne sais pas? Tu ne me crois pas? C'est pas ça, c'est moi. Je ne suis pas sûr. C'est bien une fille, elle. Et toi? Hé hey. Il va où, lui? Oh, Aerith. Ah ouais, cette fille. C'est qui, au juste? Je ne sais pas vraiment, mais c'est à elle que j'ai confié Marlène. Bon sang, Marlène! Plus question de faire machine arrière maintenant, Tifa. Ah, Magus, c'est le montage, il y en a beaucoup, oui. Montage avec la poubelle, notamment, sur le 15-18, qui est mémorable. Sur le 15-18, Magus... Non, c'est quelqu'un qui avait posté la photo de Magus. Il demandait d'enlever la poubelle à côté, et puis il y a tout un tas de montages qui enlevaient Magus, etc. Ou qui mettait Magus dans la poubelle. Cloud. Ou qui mettait un espresso Wattels avec une poubelle dans la main, au lieu d'une tasse. Emmène-moi jusqu'à Marlène. Tu comptes aller aider Aerys? Oui, mais avant ça, il y a une chose que j'aimerais savoir. Quoi donc? Je veux en savoir plus sur les anciens. Effectivement, il a entendu parler des anciens quand Seng l'a mentionné dans l'hélicoptère. Et là, il a un bref flashback où, a priori, on devrait comprendre que c'est une phrase de Sephiroth, peut-être, dans le passé, qu'on ne voit pas directement, mais bon. Dans mes veines coule le sang des anciens, je suis l'héritier légitime de cette planète. Sephiroth. Tu vas bien? Ressaisis-toi, mec. Donc, désolé de vous faire patienter, mais je vais laisser la matéria sentir pour le moment, vu qu'on revient plus tard. Et comme disait Hero, je vais bientôt ramasser un nez. Je vais pouvoir sentir. Voilà. Malgré le boulecan que ça a fait, les gens d'ici n'ont pas bougé. Vu comme ça, ça peut sembler assez égoïste. Qui parle de l'effondrement de la plaque, bien sûr, hein. Mais c'était pas clair dans la version d'origine. Sniff, sniff. Il y a d'abord eu un grondement, puis un craquement, et ensuite boum. J'ai eu tellement peur. Sniff.
Tu crois enfin mener une vie tranquille dans les bas-fonds de Midgar, et voilà qu'un énorme truc te tombe dessus. Ouais, tu as raison, mais que peut-on faire contre ça? Pas grand-chose. Je n'aurais jamais cru qu'un truc aussi gros pouvait nous tomber dessus. Peut-être qu'à l'avenir, je devrais marcher en regardant l'air. Comme je le disais l'autre fois, cette femme a des textes successifs, voilà, qu'on... Si on fait pas bien gaffe, on ne comprend pas, mais au début du jeu, elle parle de regarder par terre pour trouver de l'argent. Après, elle parle de regarder en l'air pour ne pas se prendre de plaques dans la gueule. Et après, elle parle de regarder tout droit parce que c'est la fin du monde et il faut regarder tout droit. Quand on habite dans un endroit pareil, on finit par perdre goût à la vie. Alors achète-moi des matérias. Je dois me faire un peu de fric et partir loin d'ici. A priori, il n'a pas plus de choses qu'avant. C'était juste pour voir le texte. Donc on peut maintenant aller récupérer les terres turbo qu'on avait laissées. Alors attends. Une information de dernière minute. Un accident a eu lieu aujourd'hui. Le pire jamais survenu dans l'histoire de la métropole. Grâce à l'intervention rapide d'équipes de sauvetage qualifiées de la Shinra, aucune perte civile n'est à déplorer. Et c'est un peu surprenant ça, qu'il n'y ait aucune perte civile. Mais je me demande... Ah non. Les causes du drame n'ont pas encore été élucidées. Cependant, plusieurs sources tendent à indiquer qu'il serait lié aux activités du groupe terroriste Avalanche. Voilà. Non, c'est pas le même texte que tout à l'heure où il y avait le maire Domino qui condamnait Avalanche. Ça, c'était pour le secteur 7 ou réacteur 5, je sais plus. Réacteur 1 ou réacteur 5, là, c'est pour vraiment l'effondrement de la plaque. Et lui, il y croit vraiment. Bon sang, ces types d'avalanche ou je ne sais quoi seraient à l'origine de l'effondrement de la plaque. Ouais. Et donc là, le gosse, on lui avait laissé ses 5 gils. Ah tiens, on peut le traverser. Voilà. Et j'ai acheté quelque chose avec l'argent que j'avais mis de côté. Mon rêve, c'est de grandir et de devenir un homme d'affaires Wall Market. Sachant que le texte original, c'est... Mon rêve, c'est de grandir et de devenir un homme d'affaires à Wall Street. C'est pas la même chose. Voilà. Tiens, ça me met de si bonne humeur que je t'en fais cadeau. Et donc, on gagne un éther turbo. Je relis l'affiche au cas où. Voilà. Ouais, ce gosse va travailler à Wall Street dans le futur. Quel boucan dehors, je me demande ce qui se passe. On ne sait jamais ce qui peut arriver. C'est un monde de détraqués. Donc tu ferais mieux d'avoir une arme sur laquelle compter, pas vrai? Donc, ce personnage là, ce vendeur, il a toujours des phrases un peu accrocheuses. Pour nous forcer à acheter. Oh. Allez, j'achète un bracelet de titane. Voilà, voilà, pour l'instant, voilà. Allez, on enregistre. Ah oui, c'est vrai que je suis pas loin. Maison de Aerith. On va avoir une petite séquence émotion. Le loup de Wall Street. Cloud, c'est bien ça. C'est au sujet de Aerith. Je suis désolé, elle est entre les mains de la Shinra. Je sais, ils sont venus la chercher ici. Ils sont venus ici? C'est ce que voulait Aerith. Mais pourquoi la Shinra recherche-t-elle Aerith? Aerith fait partie des anciens. C'est la seule survivante. Quoi? Mais vous n'êtes pas sa mère? Je ne suis pas sa vraie mère. Oh, ça doit faire 15 ans maintenant. C'était pendant la guerre. Mon mari avait été envoyé au front dans un endroit lointain appelé Utei. Ouais, je dis Utei, moi, je dis pas Utei. Voilà. C'est ce texte notamment qui nous permet d'apprendre que la guerre d'Utei s'est déroulée 15 ans avant le début du jeu. Je sais pas si c'est bien respecté ça dans Crisis Core. Un jour, je suis allé à la gare parce que j'avais reçu une lettre disant qu'il allait rentrer en permission. Né au Midgar par New York. Non, je crois pas non plus. Papa Utei. Bon, je peux prononcer Utei si on fait plaisir. Mais qu'est-ce qu'on fout à Oktai? D'accord. Ce passage marrant aussi avec la femme qui soulève son mari très facilement.
Ouais, apparemment dans Crisis Core c'est pas très bien respecté, c'est 15 ans avant le début du jeu. Sephiroth. Si tu veux je peux prononcer Sephiroth, hein. Je peux prononcer comme ça aussi. Hein. Mon mari n'est pas revenu, je me demande s'il lui est arrivé quelque chose. Non, ils ont juste dû annuler sa permission, voilà tout. Après, c'est pas impossible que la guerre du thé ait duré plusieurs dizaines d'années, enfin une dizaine d'années. Je suis allé à la gare tous les matins, puis un jour... Un jour, il y avait un cadavre par terre. Ouais. Bah, elle a que 16 ans dans le jeu, donc c'est 4 ans avant le début du jeu, quoi. Bah, c'est même plus parce qu'il y a après, il y a la mission de Nibelheim. Donc, ça doit être peut-être 6 ou 7 ans. Sephiroth. Sephiroth. Il y a Evans aussi qui prononce Sephiroth. ça fait rire à chaque fois. Bah, chacun prononce comme il veut. Hein. Ses derniers mots étaient s'il vous plaît, emmenez à Erith en lieu sûr. Aéré. Pro le mec qui garde le train. Ah, un petit hommage à cet homme qui vient de mourir dans l'effondrement de la plaque. Mon mari n'est jamais revenu. Je n'avais pas d'enfant et je me sentais seul. Alors j'ai décidé de l'emmener avec moi. En gros, elle la kidnappe quoi. Le cheminot, il en a rien à battre de voir une gamine pleurer sur sa mère devant lui. Bah, en même temps... Justement, quand on parle au cheminot au début du jeu, alors je sais pas si c'est fait exprès, mais il dit bien concrètement que qu'à force de voir des scènes, notamment pendant la guerre, de tristesse et de joie, il a perdu un peu le, enfin, l'empathie quoi pour les gens. Et du coup, il y a un rail en fait invisible entre lui et les passagers. Enfin, c'est le terme qu'il utilise. Donc peut-être que bah, c'est aussi pour ça. Il a plus aucun sentiment, ce cheminot. Mais de toute façon, il est mort, donc bien fait pour sa gueule. Aéris et moi sommes vite devenus très proches. C'était une enfant loquace, elle me parlait de tout. Aéris ? Ah bah si, Aéris, son père, c'est Gast. On m'a expliqué qu'elle s'était enfuie d'une sorte de laboratoire de recherche, je ne sais où, que sa mère était déjà retournée à la planète, et que par conséquent, elle n'était pas seule. Et bien d'autres choses encore. Bah elle en parle pas, mais dans les vidéos là de chez Gast, on voit bien que la fille naît, etc. C'est son train-train quotidien. Je vois que tu as bien retenu les textes, Leonhardt. D'accord, monsieur Adam, j'étais pas sûr que t'étais là. Retourner à la planète. Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Je lui demandais s'il s'agissait d'une planète dans le ciel, mais elle m'a répondu que non, que c'était bien cette planète. C'était une enfant très mystérieuse à bien des égards. Maman. Et la superbe transition, là. Chaque fois m'émerveille. Ne pleure pas, s'il te plaît. Aéris a dit ça soudainement. Je lui ai alors demandé s'il était arrivé quelque chose. Quelqu'un qui t'est cher vient de mourir. Son esprit est venu te voir, mais il est déjà retourné à la planète. À ce moment-là, je ne l'ai pas cru. Mais... Quelques jours plus tard, nous avons reçu un avis nous informant de la mort de mon mari. Et la vie continue ainsi. Malgré de nombreux imprévus, nous étions heureuses jusqu'au jour où... Ah, Faust 7. Oui, tu arrives un peu tard, ça fait 2h30 que le live a commencé, mais tu pourras toujours regarder la rediffusion si ça t'intéresse, notamment la partie Wall Market qui est intéressante. Ou devrais-je dire Wall Street. Nous voulons récupérer Aéris, nous la cherchons depuis longtemps. Oh, j'ai encore une petite heure de live, je pense, donc t'as pas tout raté, Faust. Non, jamais. Aéris, tu es une enfant très spéciale, du sang spécial coule dans tes veines. Ta vraie mère faisait partie des anciens. C'est une vieille peau. J'ai alors compris qu'elle faisait partie des vieilles peaux. Les anciens vont nous mener vers une terre de bonheur suprême. Aéris sera capable d'apporter le bonheur à tous ceux des Taudis. C'est pour ça que la Shenra aimerait obtenir son aide, bien sûr. Il a tort, je ne fais pas partie des anciens, non. Oui. Mais Aéris, tu entends sûrement des voix lorsque tu es seul. Non. Pourtant, je savais pour ces dons mystérieux. Mais comme elle essayait de les cacher, je fis comme si de rien n'était. Messire, Méride,
Ah oui, c'est très... C'est surprenant qu'elle ait réussi à échapper à la Shinra pendant toutes ces années. La Shinra a besoin d'elle, donc je ne pense pas qu'il lui aurait fait du mal. D'accord, bonne nuit, vieux machin. Repose-toi bien. Non, mais il y a ce crâne qui va se coucher parce que c'est un vieux machin. Et son subordonné de retour pour le tuer, je pense. T'as gardé Ojo qui dit Inferna à Costa del Sol? Et puis quoi encore? Tu prends cette traduction pour une traduction amateur? Non, non, bien sûr que non, j'ai... Tout ça a été corrigé. Hein. Je joue sur PC, la version PC de 1998, avec l'OpenGL d'Ali, qui améliore un peu les graphismes, donc notamment la netteté des textes, ainsi que le mode Anxious Search qui permet d'avoir les musiques PlayStation. Donc on a un rendu équivalent à la version Steam 2012. La Shinra a besoin d'elle, donc je ne pense pas qu'il lui aurait fait du mal. Et on joue notamment, j'ai oublié de le préciser, mais avec le patch Neo Midgar, qui retraduit tous les textes du jeu, qui fait suite à un projet de plus de 6 ans. Mais alors, pourquoi cette fois? Elle a amené une petite fille ici avec elle. Tseng les a trouvés en chemin. Elle n'a sans doute pas réussi à s'échapper. Alors, pour que la fillette soit saine et sauve, elle a décidé de se rendre à la Shinra. Il doit s'agir de Marlène. Marlène, c'est à cause de Marlène que Iris s'est fait prendre. Je ne veux pas savoir. Pardon, Marlène est ma fille. Je suis vraiment désolé. Tu es son père? Comment as-tu pu laisser une enfant seule comme ça? S'il vous plaît, ne m'en parlez pas. J'y pense sans cesse. Que serait-il arrivé à Marlène si je... Mais comprenez bien que je n'ai pas de réponse. Je veux être avec Marlène, mais je dois me battre. Sinon, la planète mourra. Alors je vais continuer à me battre. Mais je m'inquiète sans arrêt pour Marlène. J'aimerais être avec elle, tout le temps. Bonne nuit, Calf 4. Merci. Vous voyez, je tourne en rond. Ah, le spoil. Je crois que je comprends. Elle dort à l'étage. Pourquoi ne vas-tu pas la voir? What? Hé, hey, ne spoilez pas Ergit. Il n'en est pas encore là au stade du jeu. Enfin, je pense que Ergi avait deviné quand même que Marlène, qui est très quand même pâle de visage, n'était pas la fille de Barrett. Il est à Costa del Sol, il me semble, Ergi. Ah bah oui, il joue, oui. Après m'avoir cassé les couilles pendant tant d'années sur le topic de Ritrad, à savoir quand j'avais fini, j'espère bien qu'il joue quand même. Marlène, je suis tellement content que tu ailles bien. Ne pleure pas, papa, ta barbe me pique. Cloud, tu vas aller aider Iris, hein? Elle t'en fait pour moi. Si la Shinra est responsable, je ne peux pas rester là. Je viens aussi. Devine quoi? Iris m'a posé plein de questions. Comme quel genre de garçon tu es? Je crois qu'elle t'aime bien, Cloud. Je ne sais pas. Allez, je dis, espérons-le. Psst, je ne le dirai pas à Tifa. Ah, Marlène. Tu fais bronzette, Ergi. Ah oui, ça arrive, hein. Je dis pas le contraire. Soupir. C'est de ma faute, c'est à cause de moi que Iris est impliquée dans cette histoire. Ne dis pas ça, elle ne le pense sûrement pas. Mais je m'en veux quand même. Oh, elle est vraiment chiante cette Tifa. Tu pars chercher Iris, n'est-ce pas? Oui. Je viens avec toi. Peut-être que Barrett l'a pas entendu. Nous allons au cœur du QG de la Shinra. Tu dois te préparer au pire. Je sais. Je suis bien décidé à donner tout ce que j'ai. Voilà, une phrase qui rend bien dans la traduction. L'heure n'est plus à la réflexion, mais à l'action. J'espère que, en tout cas, la traduction vous plaît. Pardonnez-moi, mais pourriez-vous vous occuper de Marlène un peu plus longtemps? Oui, bien sûr. Cet endroit est dangereux à présent. Vous feriez mieux de partir ailleurs.
Oui, tu as raison. Mais promets-moi de revenir pour elle, ne te fais pas tuer. Donc voilà. Donc elle, ensuite elle va écouter les. Elle va écouter les conseils de Barrett et partir à calme a priori. Mais même si on peut pas la voir à calme. Faut noter aussi qu'il y avait un texte qui n'est pas présent dans le jeu, même s'il est dans les données du jeu. Elle dit promets-moi de ne pas te faire tuer à Barrett pour revenir à Marlène. Et Clad est censé dire j'y veillerai. Voilà. Mais il n'y est pas ce texte. Comment peut-on rejoindre la tour Shinra? Plus qu'un train de tyran. Dans ce cas, allons au Wall Market. Peut-être y trouverons-nous quelque chose. C'est reparti pour le Wall Market. Et donc il va falloir que je fasse attention, même si je pourrais le refaire jusqu'à la fin du jeu. Alors, je vais déjà retourner voir. Est-ce qu'il y a des nouvelles sur la télé? Citoyens, unissez-vous. Acceptez la lumière, l'énergie Mako. Son pouvoir est certain. La Shinra a notre lendemain. Faites preuve de docilité et la compagnie assure votre félicité. Cette propagande. Oui, donc je disais, il y a aussi l'ennemi mythe, qu'on a renommé Voras, qu'on n'a pas encore combattu, ici. Quoi, on est encore à la maison d'Aeris, effectivement. S'il y a quelqu'un qui arrive maintenant, il va péter un câble. <rire> 22h45. Est-ce que vous pensez qu'on a le temps de faire la tour Shinra ce soir? Ou alors vous êtes trop fatigué? Ah voilà enfin nos ennemis voraces. Oui, au début du combat il y a une vue particulière effectivement. J'arrête de dire effectivement. Tiens, prends ça dans ta gueule. Vous voyez, indite, vous voyez. Continue tant que ça marche. Ouais, je vais faire ça, c'est vrai. Peut-être que j'aurai pas l'occasion de faire de live avant une bonne dizaine de semaines. A priori, ça marche. Le drogue, c'est mal, vous voyez. Il y a des fans dans le coin, on dirait. South Park. Materia sentir. Alors, allez, on va mettre un nez et puis des soins à Barrett. On finit le CD1 ce soir? Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors, les textes ont un peu changé. On va faire un petit tour. Hey, mais c'est toi! Désolé, mais j'ai eu vent des rumeurs. Non seulement tu aimes t'habiller en femme, mais en plus on m'a dit que tu avais tendance à tout casser autour de toi. Ici on accepte que les clients bien élevés, t'as compris? Alors dégage! Effectivement on peut plus revenir au Nebin, jusqu'à la fin, jusqu'à jamais. On peut plus y revenir. On peut aller jusqu'à Costel. Et vous autres arrêtez-vous ici. Boranov! Effectivement. Vous voyez? Je stream depuis maintenant quasiment 3 heures. Hein. Tu as loupé une grosse partie pour regarder la rediffusion. Peut-être Riden, ouais. Plein de trucs sont tombés du ciel. Mais le vieux type qui aime les tanks a tout emporté. Moi aussi j'en aurais voulu. Donc là, quasiment tous les textes du Wall Market pointent vers le mec qui est dans son tank, dans son magasin d'armes. Alors, celui qui trouve pas. C'est vraiment un casse-os. Eh ben, je n'aurais jamais cru que la plaque du secteur 7 pouvait s'effondrer. D'après le vieil homme dans son tank, ouais, comme je disais encore une fois,
N'importe qui peut accéder à la plaque du dessus en étant assez fort. Alors, prends des forces en mangeant un de nos plats. Il est bien gentil, mais il me semble qu'on peut... Ah si, on peut. C'est quand on est bien en fille qu'on peut plus manger. Tiens, d'ailleurs, j'avais pas regardé les dialogues. Miam. Miam. Je prends toujours le plat du jour. Miam. 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 Eh, ne me surprends pas comme ça. Ah, il y avait d'autres textes avant pour le coupon de pharmacie où il disait « Je vais encore récupérer un coupon de pharmacie. » Depuis que le ciel nous est tombé dessus, cette marmite est remplie de poussière. Je vais devoir tout recommencer. Donc là, ça, on comprenait pas non plus hein, dans la version d'origine. Il y a de la poussière qui est tombée dans sa marmite. Il y a un mode pour rester bien en fille. J'aurais bien dit quelque chose, mais je vais éviter. Couverture, on a déjà toutes ces matérias, ça sert à rien. Feu, on l'obtiendra plus tard. J'ai eu très peur. Tu es habillé normalement aujourd'hui. Le mec, il met 5 mois à faire une soupe. Tu es habillé normalement aujourd'hui. Si une autre idée intéressante te vient, fais-le moi savoir. Bienvenue, prenez votre temps. T'en as trop dit ou pas assez? Donc là, elles ont encore des dialogues, ces femmes-là. Cette pile d'ordures s'agrandit, non? Oui, je crois bien. Plein de trucs sont tombés quand le pilier du secteur 7 s'est effondré. Oh, c'est vrai, j'avais oublié. Le patron du magasin d'armes a récupéré tout ce qui était tombé. Ah, c'est donc pour ça. Il a un comportement suspect ces derniers temps. Tu parles de ses allers-retours dans le périmètre de la plaque, près de la demeure du Don? Ah, tu es au courant. Je me demande bien ce qu'il fait. Ouais, c'est louche. Encore, ça nous indique d'aller voir le type. Alors, encore besoin de t'entraîner? Je dois me muscler encore. Je pourrais ensuite grimper tout en haut de la plaque en empruntant ce tuyau. Tu n'es pas au courant? Le vieil homme du magasin d'armes pourra t'en dire plus. Voilà encore un qui nous guide vers le magasin d'armes. Que lui, il décrit ça comme un tuyau, après il décrit ça comme un câble. Ça n'est pas très rassurant. Cette plaque aussi pourrait s'effondrer à tout moment. Ouais, si t'as une idée pour grimper là-haut, je te suis. Encore un indice pour aller là-haut. Tiens, on va aller faire chier le mec dans ses toilettes. Il a toujours pas fini. Eh oh! Toi aussi, tu veux monter sur la plaque? Alors il va te falloir des batteries en 5. Tu veux me vendre quelque chose que tu viens juste de ramasser? Oh, tu es au courant, mais je les ai réparés, alors ça va. Pourquoi ai-je besoin de batterie pour monter sur la plaque? Tu comprendras quand tu seras. 300 giles les 3, ça te va? D'accord, je vais pour... Ou arrête ton baratin, tiens. D'accord, alors va voir par toi-même, tu finiras par revenir. Bon, je vais lui prendre et pas faire l'aller-retour. Hein. On a bien compris qu'on en avait besoin. Big Bro, Cloud et Mucky. Moi, je veux Mucky dans mon équipe. Vous voulez voir un truc génial? Suivez-moi. Donc avant de les suivre, je vais aller retourner au manoir du Don, parce qu'il y a une petite scène supplémentaire. Mais, tu es le type de la dernière fois. S'il te plaît, aide-moi. Le laisser. Par pitié, je ne faisais que suivre les ordres du Don. Merci. Tu sais, après ton départ, des hommes de la Shinra ont débarqué ici en criant. Des informations ont été divulguées, et bande de bons à rien. Le Don a ensuite été emmené de force, et depuis, je suis bloqué ici. Oups, il pourrait revenir, je me tire, à plus. Ah oui, on le sauve hein, quand même. Donc il dit qu'en gros, les Turcs sont venus ici, parce qu'ils ont appris que Don Corneo avait divulgué des informations concernant le plan
Like de guerre et compagnie. Aigueguerre. Ils ont grimpé le long de ce câble. Ça fait peur. Brrr. Vous croyez qu'on peut y grimper? Ouais, ça mène au monde du dessus. Ok, grimpons. Mais on n'y arrivera jamais. Tu as une idée de jusqu'où ça monte? Ça reste possible, regarde. Qu'est-ce que représente ce truc pour toi? C'est juste un câble. Ah oui? Eh bien pour moi, ça ressemble au fil doré de l'espoir. Quel poète ce Barrette. Ryle, brrr. Je pense à chaque fois à Ryle à chaque fois que je lis brrr. Heureusement que tu es la fistose pour comprendre la blague. Tu as raison, c'est le seul moyen qu'il nous reste de sauver Eris. Ok, l'analogie n'était peut-être pas des meilleures, mais je comprends ce que tu ressens. Et la petite musique qui va bien. Allons-y. Tout ça parce qu'il est black. No mercy. Oui, j'adore ce passage moi aussi avec la musique. Wow, c'est horrible. Ça fait peur, hein. Papa dit que c'est la Shinra qui a fait ça. Il est bien informé, son père. Peut-être que si je mets une batterie ici, l'hélice fonctionnera. Oui, moi aussi, j'ai toujours lu Averl, je sais pas trop ce que c'est. Je vais devoir croire le patron du magasin d'armes. Au fait, RJ, toi qui as commencé une partie de FF7 avec la retraduction, tu as eu besoin de t'aider du guide de temps en temps ou t'as tout deviné tout seul? Savoir qu'il y avait des textes ici sur cet écran et le suivant qui était zut plus de batterie. Ah, il faut une batterie ici aussi. C'était zut plus de batterie, sachant que en fait il y a aucun moyen dans le jeu de ne plus avoir assez de batterie. Peut-être qu'à la base on n'était pas censé prendre 3 batteries, on pouvait en acheter 1, 2, 3, 4. Voilà. D'accord. On dirait qu'il n'y a pas d'autre moyen que de sauter sur cette barre. Ça devrait marcher si je saute juste avant qu'elle ne soit trop près. Ah, ça va être compliqué là, parce que d'habitude je mets du petit bruitage pour sauter sur la barre, mais vu que j'entends aucun son... Ah, j'ai sauté trop tôt. Donc je vais devoir faire au feeling. On peut sauter à tous les coups sur la barre, si on le fait au moment du bruitage. Du grincement. Ah, moi je l'aurais fait du premier coup si j'avais eu le bruit, hein. Oh, mais c'est pas possible ça. Bon, ça touche le petit bout de câble. Non, pas à ce point-là. C'est trop près ça. Bah, d'habitude je mets du bruitage, donc là j'ai aucun son, c'est pas évident. Je sais qu'il faut juste avant qu'elle ne soit trop près. Bon, allez, je vais le faire bien là. Voilà. Je faisais pas sérieusement. C'est un peu trop près là. Pour moi c'est quand même trop près de moi. Ouais, faut sauter quand la barre est proche mais pas quand elle repart. Voilà. Il faut aussi récupérer cet éther pour la perfecte partie. Hop, on redescend. D'ailleurs, j'ai jamais compris à quoi servait le tuyau à côté, juste pour nous embêter. Non, dans le perfect game, le compromis ici c'est d'utiliser la batterie. Voilà. Parce qu'on utilise justement l'objet qui est pour fonction
primaire justement d'en obtenir un autre. Et on n'est pas un objet en pleine nature comme ça qui est l'éther. Qui est justement le but, c'est vraiment le premier, c'est de tout ramasser. Le but c'est de tout ramasser, c'est la priorité. Donc après, même si on perd les batteries, peu importe. Après c'est un choix, hein. C'est comme ça je l'ai rédigé. Cool. Ah, il est toujours là, Evans. Laisser une batterie dans la nature. Ah non, la batterie a retrouvé sa place. Sa place, sa fonction primaire. C'est ça qui est beau. C'est parfait. Il y a Boody qui est là aussi. Oui. Mais il est très très discret, Boody. Eh, tu dois bien connaître cette tour, non? Pas vraiment, maintenant que tu fais la remarque, je crois bien que c'est la première fois que je viens au quartier général. On en a un peu parlé. Les étages au-delà du 60e sont des étages spéciaux. Ce n'est pas facile d'y accéder même lorsqu'on est employé. Ce doit être là que ces enflures ont emmené à Iris. La sécurité a l'air assez réduite pour le moment. Alors allons-y. Attendez une minute. Attends une minute. Ton plan c'est d'entrer comme ça par la porte principale? Ben qu'est-ce que tu crois? Je vais me faire quelques Shinra et... Ça ne marchera pas de cette façon. On doit trouver un autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. Si on continue à perdre du temps comme ça, Iris va... Je le sais ça, mais si on se fait prendre ici... Dis Claude, qu'est-ce qu'on devrait faire? Bon, le choix importe peu ici, parce qu'après on peut encore choisir. Je vais mettre on fonce dans le tas, tiens. C'est un élixir qu'il y a dans les escaliers, Faust. Je préfère ça, allons-y. Alors, pour savoir si je passe devant ou derrière, peu importe, en vérité... l'élixir qui est derrière, je peux toujours le récupérer aussi des deux quand j'irai prendre la corne de Behemoth qui se trouve également dans les escaliers. Et ouais, Thano, pas grave, tu pourras regarder la rediffusion si tu veux. Sinon, je me demandais, est-ce que ça serait pas possible de monter les escaliers, de faire la scène dans les escaliers avec tous les dialogues, de redescendre les escaliers, mais là vous allez vous endormir avant que je sois redescendu tout en bas. Puis ensuite de rentrer par devant. Ça je l'ai jamais testé. Ça je l'ai jamais testé, mais je vais pas le tenter parce que pas que ça à faire quand même. Un plan à la Barrette. Il aime quand un plan se passe sans accroc. Le Barracuda. Fistose. Bah. Enfin, je sais pas si t'as vraiment compris ce que j'ai dit, mais monter dans les escaliers, redescendre en escalier, puis re-rentrer par devant. Ça, je l'ai jamais fait, honnêtement. Je me suis jamais amusé à faire deux fois de suite cette horreur d'escalier. J'aurais bien voulu vous montrer les dialogues dans les escaliers, parce qu'ils sont sympas. Mais non, en fait. Je passais par devant. Excusez-moi, si vous n'avez pas rendez-vous, vous allez devoir... Pas besoin de rendez-vous, c'est pour une urgence. Tous ceux qui ne tiennent pas à se faire dégommer le crâne, je leur conseille de dégager. Qui sont ces gens? Vous croyez qu'il s'agit d'Avalanche? Des intrus! Des envahisseurs! Emparez-vous d'eux! Emparez-vous d'eux! Ça me rappelle le Time Crisis. Emparez-vous d'eux! Combat donc des grenadiers. D'ailleurs, c'est peut-être mieux d'être passé par ici parce que ces ennemis, je sais pas si on les combat en temps normal. Ailleurs, il me semble que non. Je manque de matériel. Salut, Boody. Oh, l'élixir, je me le garde pour le CD2, honnêtement. Je vais pas me faire des escaliers. Montons. Alors, un truc sympa, ici, il y a un texte qui était pas clair. Non, ça ne répond pas, nous devons trouver un autre moyen de monter. Voilà, ces escaliers, ces ascenseurs ne répondent pas, c'est bien dommage. Parce que c'est ceux qui nous permettent de monter tout en haut. On va monter. Ah non. On va d'abord aller voir
le panneau au fond pour lire la deuxième affiche de Turtles Paradise. Compagnie Shinra, devise de la semaine. L'avenir que la Shinra a créé, c'est l'avenir du monde entier. Un monde plus beau grâce à notre énergie Mako. Ils sont bons en rime. Affiche numéro 2. Encore une dure journée de travail. Le Turtles Paradise est là pour vous. Faites des escales dès aujourd'hui. Rien de tel qu'un bon rafraîchissement après le boulot. On va aller au magasin. Ah, je vous aurais bien montré un truc marrant au magasin. Ouais, je vais vous en parler tout simplement. Ah, on a encore le fuite impossible, c'est chiant. Le fameux bug de combat infuyable en fait qui reste sur tous les écrans. Parce que dans le script, ils ont oublié de désactiver ce paramètre. Heures de live, j'espère qu'on va réussir à faire une bonne partie du bâtiment Shinra, enfin de la tour Shinra. Au moins faire la quête réactivée qui a posé beaucoup de problèmes à certains, j'ai vu dans certains lives. C'est vrai qu'elle est pas intuitive cette quête, mais elle est pas mal. Je vous laisse prendre les paris sur le mot de passe sur lequel je vais tomber. Le magasin donc. Chérie, que dirais-tu d'une nouvelle voiture? Mais mon poussin, c'est beaucoup trop cher. Oui. Hé, attends-moi. Hé, hey, attendez, vous n'avez pas la permission d'ouvrir ce coffre. Bon, ça c'est des coffres qu'on peut ouvrir que c'est des deux. Passez tous vos articles à la caisse, je vous prie. Bienvenue, notre promotion du jour est... Ah, tenez, prenez la caisse. Nous ne voulons pas d'argent. Avalanche n'est pas une bande de voleurs. Nous voulons juste récupérer ce que ton patron nous a volé. Donc voilà, et si on vient dans le magasin pour la première fois avec Aerys, donc c'est quand on fuit en fait le bâtiment, la tour Shinra. Avec Aerys et Barret dans l'équipe. Du coup, Barret rajoute après ce mini texte, ou plutôt celle qui nous... Alors il dit, nous venions juste récupérer ce que ton patron nous avait volé. Plutôt celle qu'il nous avait volé. Parce qu'il se tourne vers Aerys et dit, plutôt celle. Ah, Avalanche, on ne va pas te faire de mal. On pourrait même te donner de l'argent si tu nous aidais. D'accord, très bien. Collier, tiens. Allez, une tente. Une tente volante? Combien de mètres carrés? Merci, et à bientôt. Oubliez ce que je viens de dire. Besoin de quelque chose? Ah, c'est pas la seule surprise du patch. Et donc moi j'avais remarqué que si on prenait cet ascenseur là au deuxième étage, on avait bizarrement, enfin c'est ce que j'ai remarqué, peut-être que c'est qu'une vulgaire coïncidence, on avait plus de chances de tomber sur l'employé Shinra, donc qui est à certains étages en fait, et vu qu'on a aléatoirement divers étages en montant, on le croise pas forcément. Les deux coffres Voranov, comme je l'ai dit, c'est au CD2 qu'on peut les ouvrir, là on peut pas. Poste 7. Dans la version française, les programmeurs ont désactivé l'aléatoirité du mot de passe. Dans toutes les autres versions du jeu, le mot de passe est aléatoire. C'est pas toujours Mako, c'est l'un des mots de passe proposés. Donc, il y en a vraiment que 4 possibles sur les 6. Et donc on a réactivé cette aléatoirité du mot de passe. Et on a du coup traduit tous les dossiers et mis les bons numéros pour pouvoir trouver les différents mots de passe dans les différentes configurations qui sont proposées. Tu comprendras peut-être un peu mieux tout à l'heure. Le robot qui chillage des bijoux de Germont. Oui, le marteau téléport. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais éviter de faire du grabuge tant que nous n'aurions pas secouru Aerys. J'aurais pourtant dû me douter que c'était impossible. Arrête, tu me files les jetons. Alors il y a des moments où même toi tu combats pour d'autres personnes.
Je m'étais donc trompé à ton sujet. Ah oui, Faust, c'est pas mal, mais ça, ça a donné du fil à retordre à pas mal de personnes du coup qui avaient l'habitude de simplement répondre Mako. C'est censé me faire plaisir. Quel sale caractère, laisse tomber. Que quoi? Hé, regardez! Bon sang! Arrête ce truc, Cloud, peu importe l'étage. Qu'est-ce qui se passe? C'est super à gauche. Je me souviens plus par cœur les étages auxquels tombe l'employé chinois. On verra bien si on tombe dessus. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il ne il vieillit, cet employé. Ah, un petit calme. Honnêtement, moi, les personnages en combat, je les trouve très beaux. Hein. Les gens qui essayent d'utiliser des mods pour remplacer les personnages de combat, je les comprends pas. Ils sont magnifiques, les persos en combat. Je veux bien comprendre que sur le terrain, ils sont pas terribles. 29, 38, 47, 56. Il me semblait bien que c'était tous les 8 à partir de 29. Ah, à un étage près. Sachant qu'on a un texte bonus si on rencontre deux fois l'employé Shinra, deux fois de suite. Enfin pas deux fois de suite, mais deux fois lors de notre ascension. Et c'est assez marrant d'ailleurs de retrouver un mec plusieurs étages au-dessus. Qui nous dit encore vous ? Bah non. Oh, il peut très bien avoir eu le temps de monter en ascenseur le temps qu'on se fasse des combats ailleurs. Bon, si on l'a deux fois de suite, c'est pas terrible, c'est vrai. Ah, un trop maintenant. Ce jeu me troll. Ah. Donc les martéléports, donc c'est les mecs qui ont un marteau qui se téléportent. Oui, on est allé chercher loin son nom. Et donc, on va essayer de lui voler des bracelets de... Ah non! Voile déco. Ah non, c'est pas eux qu'on vole des bracelets de carbone. C'est donc au truc avec une tondeuse. Ah oui, il est chiant celui-là, parfois il disparaît. T'as eu un bug, RJ? Où ça? Sur le live, rassure-moi. Pas dans le jeu retraduit. Oui, oui, l'ennemi disparaît. Oui, c'est l'ennemi qui est pas bien. Oh, un étage de moins. Voilà, ça me troll vraiment. Oui, l'ennemi disparaît un certain temps et puis réapparaît parfois celui-là. Un peu comme les fantômes. Ah, dans le jeu. Les valses d'épée. À quel moment, RJ? Je vais garder le tir puissant pour plus tard. Claude s'est mis à tourner sur lui-même. Tu as peut-être appris un talent ennemi. Taureau machin. Ah oui, tu as appris un talent ennemi. S'il a tourné sur lui-même contre taureau machin, c'est que tu as appris
Bon, ils me font chier ces ennemis. Tu as dû apprendre du coup missile Matra. N'est-ce pas le cas? Bizarre ça. Vraiment bizarre. Je crois qu'il a eu un bug bizarre. Claude est en colère. Ah non, bah je l'aurais pas cet employé. Dommage. Ah dommage, je me serais bien amusé à réanimer un de ces ennemis là. Juste pour me marrer de l'animation qu'ils ont. Je le ferai au prochain. Donc là je vais arriver au 59ème. On l'a déjà monté quand même quasiment 6-7ème de la tour. Hein. C'est pas mal. Hey Cloud, on a fait tout ce chemin et tu vois comment descendre au premier étage? Non. Bien, j'aime mieux ça, dépêchons-nous. Éliminons les envahisseurs. Non. Se doigter. Non, rien, je dis. J'ai bien géré la limite de Tifa. Voilà. Attends. Ah. Je pense qu'on finira pas la tour Shinra ce soir. Hein. On va aller jusqu'à 64ème. Un éclair qui a raté son ennemi, c'est scandaleux. Non, c'est sûr, c'est pas le plus dur. Ah, ils sont relous ces ennemis. Non, les combattants renforcés. Les rouges là. Non mais t'es sérieux là? Deux fois de suite. Deux fois de suite, ma magie a arrêté. Alors que les ennemis sont pas censés... esquiver les magies, ils ont pas de stade de défense magique, d'esquive magique en fait. Ça veut dire que c'est mon personnage qui n'a pas été très précis en lançant sa magie. Oh non mais c'est n'importe quoi ça. Il a encore raté. C'est que les ennemis ont beaucoup de dextérité. Là. Qu'est-ce que c'est? Objet clé badge 60. On va pouvoir monter au 60ème étage. Badge non détecté. A partir de maintenant, c'est du sérieux, ne baisse pas ta garde. J'espère que Aerith va bien. Boranov, je m'aventurerai pas là-dessus.
La différence de niveau entre Clad et les ennemis. Pas exactement. Si, une histoire de ça et aussi d'attaque magique. Je sais plus. Alors, il y a des personnages ici qui sont en fait des. Putain, ils sont vraiment moches sur cette version. On voit même pas qu'ils ont un voile rouge. Ça paraît noir. C'est des femmes Shinra qui sont censées être l'équivalent des gardes rouges qui sont derrière. Et elles sont buggées totalement. Elles sont encore plus buggées sur la version PS1. Elles sont censées être des femmes en fait qui ont une sorte de gilet rouge qui descend. Ça, on n'a pas pu le corriger dans la traduction parce que c'était pas de la, traduction. Enfin, je veux dire, c'était dans un fichier de modèle 3D qu'on modifiait pas par le patch, donc on voulait pas alourdir le patch pour ça. Ah, on t'entend plus. On m'entend plus. Ah, voilà. Désolé, j'ai peut-être touché la souris. Voilà. Donc, comme je disais, les modèles 3D sont buggés là. C'est censé être des femmes Shinra, tout en rouge. On voit bien notamment qu'elles ont les jambes des vêtus et des sortes de talons. Les individus dans votre genre n'ont rien à faire là, allez oust. Et aussi elles sont un peu moins exigeantes, voilà. Elles nous font pas la guéguerre. Qu'est-ce que vous faites ici? C'est réservé au personnel. Vous avez retrouvé le son du jeu? Regardez-moi ces fichus gardes qui s'agitent de partout. Cloud, passe devant et préviens-nous dès que la voie est libre. Dès que les gardes relâchent leur intention, fonce. Reste bien caché. Alors là, je vais essayer de le gérer avec le joystick. Oh non, c'est tout droit. Ça, c'est juste pour Clad, les autres, c'est juste appuyer sur un bouton. Attends que les gardes relâchent leur attention et appuie sur OK pour avertir les autres. Bon, la première partie est assez simple. Surtout la deuxième partie qui est chiante, parce qu'ils vont plus vite. Je pensais à ce que je pouvais t'offrir. Que dirais-tu d'un peigne? Oh, j'ai chaud. J'ai bien chaud. Passage le plus tricky là, celui du milieu. Voilà, premier coup. Bien, ça va barder. N'oublie pas, nous sommes là pour sauver Iris. Je sais, bon sang. Donc, si on se prend les combats et qu'on fait les 4 fois les combats, en gros, Barret dit ah, j'aurais dû me douter que ça se passerait comme ça. Si j'avais su. 61e étage. Qu'est-ce qui la retient? Elle a oublié son badge? Même les employés ne peuvent pas se balader au-dessus du 60e étage sans badge. J'ai cru entendre du grabuge en bas il y a quelques minutes. Tu sais ce qui s'est passé? Non, aucune idée, mais pas la peine de s'en faire. Tout ce qui se trouve au-dessus du 60e étage est sécurisé. Cet étage est un espace de détente. Les étages du dessus sont réservés aux gros pontes de la compagnie. Ce n'est pas facile de travailler sous les ordres de quelqu'un. Ça crève. Je ne t'ai jamais vu par ici. Tu es nouveau? Bien, alors je vais t'apprendre quelques trucs. Nous, je suis assez pressé. Ah, dommage. Non, en fait, je veux bien que tu m'expliques. Pas si sécurisé que ça. Ne me regarde pas avec ces yeux de mélancolie. J'allais simplement t'expliquer comment accéder à l'étage suivant. Les hauts dignitaires de la compagnie travaillent au-dessus du 60e étage, mais il n'y a pas moyen d'y accéder sans badge. Alors procure-toi un badge et tu pourras utiliser l'ascenseur en toute liberté. Voilà, ce bruit retentit dès que la porte de l'ascenseur s'ouvre. Rappelle-toi surtout qu'il existe plusieurs types de badges. Un seul badge ne suffit pas à aller où l'on veut. Par exemple, le badge 60 donne un accès jusqu'au 60e étage, alors que le badge 65 donne un accès jusqu'au 65e étage. Oui, c'est assez lourd comme texte. Il s'agit là d'un système de sécurité digne de la compagnie Shinra. Ah, j'avais posté l'image, j'ai fou. C'est une image que j'avais postée. Je sais pas, il a posté un lien Noël Hack. Ouais, chaque. Après tout, c'est elle qui gère l'ensemble des ressources énergétiques à Midgard, et même dans le monde entier. Oh, je dois y aller. Remettons-nous au travail. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fiches ici? Où est Iris?
Aerith, comment connais-tu ce nom? Tu veux dire que toi aussi tu... Attends un peu, tu veux bien parler de Aerith, la réceptionniste? Je commençais à m'intéresser à elle, moi aussi. Alors comme ça, un rival entre scène. Quoi, ce n'est pas elle? C'est quelqu'un d'autre? Il a confondu. Ah d'accord. Mais dans ma couille, on peut bien voir... Alors attends, je vais vérifier. Oh, c'est Gifu hein, qui a dit ma couille. Oui, effectivement, c'est un peu mieux. Je suis même pas sûr que ce soit bien comme ça. Il me semblait qu'il descendait un peu plus la cape, quoi. Enfin, c'est quasiment ça, voilà. Oh, je vois. Alors, tu dois faire partie du service des réparations de la Shinra. Tu sais, j'ai l'impression que cet immeuble commence à tomber en ruine. Comme ma gorge, d'ailleurs. Je comprends pourquoi Even s'il arrive pas de boire pendant ses lives. La porte de cet étage ne ferme plus, tu devrais la réparer tout de suite. Ah oui, et puis profites-en pour jeter un coup d'œil aux autres étages. Tiens, prends ça. Objet clé, badge 62. Et donc on s'apprête à faire la quéquette du maire Domino. Quéquette rajoutée. Bonjour, voici le bureau de Domino, le maire de Midgar. Le maire s'y trouve actuellement. Je suis son adjoint. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me consulter. Qui êtes-vous? Oh, c'est vous les fameux dont on parle. Moi, je suis Domino, le maire de Midgar. Sauf que je ne domine que le titre. Cette ville est en réalité sous le contrôle de la Shinra. Mon travail se résume simplement à garder des documents de la Shinra. Moi, le maire, un archiviste. Oh. Un badge? Si vous arrivez à deviner le mot de passe, je vous donne le mien. Il n'y a pas un objet à voler dans les combats à cet étage. Il n'y a pas de combat avant le 63e. Après, on pourra effectivement voler des objets, mais c'est pas des objets uniques. D'accord, Faust, tu vas bien pouvoir voir du coup. Je vais bien l'expliquer, j'espère. Oui, c'est ça. Dites-moi le mot de passe et je vous donne mon badge. Si vous devinez du premier coup, j'ajouterai même une récompense spéciale. As-tu pu parler avec le maire? Quoi? Un mot de passe? Ah là là, je vois. Il a vraiment du temps à perdre. Mais tu ne peux pas trop lui en vouloir. Midgar tout entière est entre les mains du président Shinra. Je peux peut-être t'aider. Tu as besoin de quelque chose? Aide-moi. Bon d'accord. En tant que fonctionnaire, rien ne me fait plus plaisir que de rendre service. Voici donc un indice. Pour 500 giles. Connard. Ok, je ne vais pas lui prendre ces indices. Je vois, alors tant pis. Si tu comptes le trouver par toi-même, bonne chance. Au cas où tu aurais du mal à le trouver, n'hésite pas à venir me voir, je te renseignerai. Donc le copain là du maire, on peut lui demander 3 indices. 1 à 500 000 giles, 1 à 1000, 1 à 2000. Donc il nous dépouille complètement. Et il nous donne des indices de plus en plus élaborés pour trouver le mot de passe. Donc le principe de mot de passe. On a 4 pièces, 4 bibliothèques. Bon, effectivement, ce texte est très sarcastique. Alors, les indices Fistos, en gros, il nous dit que à l'étage il y a des bibliothèques, qu'il faut bien regarder les noms des dossiers de ces bibliothèques. Ça, c'est le premier indice, je pense. Le deuxième, il nous dit qu'il y a un intrus dans chaque bibliothèque. Regarde bien le numéro au début de chacun de ces dossiers. Et puis, dans le troisième indice, il nous dit concrètement qu'il faut appliquer le numéro de l'intrus dans le nom de dossier, voilà, pour trouver les lettres du mot de passe. Oui, j'ai dit 500. Alors, c'est 500 pour le premier, 1000 pour le deuxième. C'était pas 500 000. Hein, et 2000 pour le troisième. Voilà. Donc, le principe de la quête. Donc, en fait, il y a des bibliothèques correspondant chacune à des départements de la Shinra. Donc, par exemple, celui-là, c'est Bibliothèque d'archives Shinra, département de développement spatial. Dans ces bibliothèques, dans ces salles, il y a des différentes étagères avec des dossiers. Et dans chaque salle, en fait, il y a un intrus, un dossier qui n'a rien à voir avec le département en question.
Donc ici, le département de développement spatial pour cette pièce-là. Et donc, l'intrus, voilà, vous pouvez parier, hein. RJDX et Mako. Donc, il y a aussi des petits indices dans les télés. Regardez la plaque à l'entrée de chaque salle pour en connaître le nom. Donc, l'intrus a un nom particulier, un nom de dossier, dans lequel est dissimulée en fait l'une des lettres du mot de passe. Et pour trouver la lettre en question, il faut appliquer le numéro du dossier qui se trouve au début du titre. Donc, je vous laisse penser ce que ça a dû être de recréer cette quête. Tout simplement mettre les bons numéros au début des noms de dossiers pour obtenir les bons mots de passe. C'est pas évident, tout en gardant des numéros qui sont différents pour tous les dossiers. C'est un petit peu ce que j'ai voulu ajouter. Pour pas qu'il y ait de dossiers avec les mêmes numéros, ça n'aurait pas été très cohérent. Oui, il nous donnait les indices même si la quête est désactivée, Fistos. Et ce qu'il faut savoir, c'est que normalement le mot de passe Mako, bah, on n'est pas censé le sortir de notre chemise, hein, de notre chapeau. En fait, il faut le trouver en faisant la quête. Il faut aller dans les différentes salles et trouver les lettres du mot de passe qui sont toujours Mako, vu que en fait la configuration des intrus est toujours la même, en fait, elle change pas. Et donc on obtient toujours Mako avec cette version française. Mais maintenant, en fait, la configuration des intrus change, donc le mot de passe change également. Allez, c'est parti. Okay. Histoire d'une épopée glorieuse, volume 1, donc département de développement spatial. Ça, c'est pas un intrus, vu qu'on est dans la salle du développement spatial. Épuisement d'énergie Mako, impact sur l'orbite de la planète. Donc c'est encore du spatial, ça. Carte de la ville de Midgar. Ah, ça, c'est pas du spatial, par contre. Je reviendrai à lire le dossier. Modèle d'astronef IA 79, conclusion sur l'échec du plan d'exploration spatiale. Moteur de fusée Shinra et vaisseau de navigation intercontinentale. Et projet de développement spatial Shinra, rapport de clôture budgétaire. Donc si on se souvient de la suite du jeu, hein, pour ceux qui l'ont fait, il y a un petit flashback sur le projet spatial, notamment la fusée. Et Sid nous explique en gros que la Shinra a coupé les fonds du projet, parce qu'elle a découvert l'énergie Mako. Et donc l'intrus, donc c'est la carte de la ville de Midgar qui correspond à un dossier de développement urbain. Et donc, comme il y a un 20 au début du dossier, il faut compter 20 lettres pour obtenir l'une des lettres du mot de passe. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc il y a un G. Il y a un G dans le mot de passe. Donc, connaissant quand même un peu le jeu, on peut prédire que... c'est bah du coup c'est ni Best ni Ojo, il y a pas Ojo, ni Mako ni Orbs, non Orbs c'est pas un passe possible, je confonds, il y a Mako, Best, King et quoi, et Bombe, oui voilà Bombe. Donc voilà, donc il y a un G dans le mot de passe, donc on sait déjà que c'est King, mais on va faire la quête quand même pour le plaisir. Oh, tu vas le retrouver. Donc ça c'est la salle d'archives département de développement militaire et du maintien de la paix. Oui pacificatrice, rebonjour. Comme je l'expliquais, le mot de passe est Mako normalement, mais dans le projet de retraduction du jeu, on a réactivé la quête qui n'était désactivée que sur la version française. Et qui en fait rend aléatoire le mot de passe, donc entre 4 possibilités: Mako, King, Best ou Bombe. Voilà. Département de développement spatial, bah ça n'a rien à faire dans la salle d'armement et de maintien de la paix. Et donc si on compte jusqu'à 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on a un N. Donc il y a un N en plus du G. Base de données des différents membres de soldats par classe. Loi spéciale du maintien de la paix, projet de développement de nouvelles armes terrestres et livre blanc pour la sécurité à Midgar. Donc voilà. Donc ça c'est que des livres sur l'armement et le maintien de la paix. Donc on sait déjà qu'il y a un N et un G. Maintenant on est dans la salle de recherche scientifique. Archive du professeur Gast, Pharimis gaz biologique. Alors ça c'est un point important, c'est que dans le jeu Final Fantasy VII, l'original, le nom de prénom de Gast n'est jamais mentionné. Pharimis Gast. Voilà. Et en fait, si, il l'est. Il l'est dans la version japonaise.
Fire Emits Gas n'a pas été inventé par la compilation de FF7. Donc je crois qu'on peut lire son nom dans peut-être dans Crisis Core. Ou dans non plutôt dans Dirge of Cerberus. Mais c'est mentionné dans FF7 dans ses dossiers. Fire Emits Gas, voilà. Ça m'a surpris la fois où je l'ai découvert. Donc c'est bien en rapport avec la recherche scientifique. Étude sur l'impact à force dose de l'énergie Mako sur l'organisme. Fire Emits Gas encore. Biologiste, les anciens dans l'histoire. Armement Mako, donc ça n'a rien à faire là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc il y a un K. Donc on a KNG. Ah, on se dirige vers le mot de passe. Dernière théorie sur l'évolution des formes de vie terrestre. L'énergie Mako et l'évolution brutale des êtres vivants. Et enfin, la salle de développement urbain. Sridon, c'est drôle. Technique de construction en urbanisme, donc c'est bon. Nouveau plan de développement urbain. Cité suspendue Shinra. Construction des réacteurs en zone urbaine. Carte de la ville de Midgar, secteur 5-8. Et mutation de la faune et de la flore aux alentours de Midgar. Donc c'est celui-là l'intrus, hein, vu qu'on est dans la salle de développement urbain. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a le I. Voilà. Et donc on a N-I-G-K. Donc c'est Nigdik, le mot de passe. Voilà. Donc après, une fois qu'on a les 4 lettres, l'anagramme mène facilement au mot de passe. Que dirais-tu d'un peigne? Vous l'avez bien, dites-le-moi. Et donc le mot de passe, le mot de passe ne peut plus jamais être Orbs et Ojo. Ça peut être juste les quatre. Donc c'est King. Et bien sûr le maire a une phrase différente à chaque mot de passe. Que j'aime entendre ce mot King. Au diable le président Shinra. C'est moi le vrai roi de Midgar. Ah, il faut savoir que dans la version japonaise c'était encore plus compliqué que ça. C'était des kanji dans les noms des dossiers. Et donc du coup c'était plusieurs associations de différents kanji, de 4 kanji qui donnaient un mot. Et là par contre ouais, c'était un peu plus chaud encore. Hein. Non c'était des kanji, c'était vraiment des kanji. Bon d'accord, tenez le voici. Non Sridon. Le numéro ne correspond pas au numéro de la lettre dans l'alphabet, ça correspond au rang de la lettre en fait dans le titre du dossier. Donc si s'il y a un 20, bah faut se reporter à la 20e lettre du dossier. Ah oui, il y a des textes différents. Donc pour bombe, il nous dit ah bombe, je suis telle une bombe prête à exploser parce que bon, il en a marre d'être sans arrêt dans sa tour. King, bah il nous dit que c'est lui le vrai roi de Midgar. Best, il dit que c'est lui le meilleur, quoi qu'en disent les autres. Et Mako, du coup, il dit s'il en avait plus, il serait vraiment maire. Voilà. Donc on a gagné son badge 65. Je n'aurais jamais cru que vous trouveriez du premier coup. Cela prouve qu'il ne faut pas juger un livre à sa couverture. Un petit jeu de mots. Bref, une promesse est une promesse. Prenez également ceci. Materia élément. Tu veux savoir pourquoi je fais ça? Pour me venger, bien sûr. La Shinra ne fait que me persécuter. C'est pour ça que j'ai été un peu taquin avec vous à l'instant. Maintenant, allez là-haut et faites-les vraiment souffrir. Ça leur apprendra. Je vous préviens, mon badge ne permet d'aller que jusqu'au 65e étage. Vous le croyez, vous? La façon dont ils me traitent, moi, comme un vulgaire employé. Je t'en prie, si tu croises le président Shinra, évite de mentionner mon nom. Tu m'excuseras, mais je n'ai pas envie que la Shinra s'en prenne davantage à moi. Apparemment ils sont pas très aimés de la Shinra ces deux là. Voilà. Et donc voilà, c'était la quête du maire Domino réactivée pour Neo Midgar. Donc elle fonctionne bien, on peut avoir les 4 mots de passe de façon aléatoire. Ça donne un peu de piquant au jeu. Hein. Et la récompense principale donc c'est la Materia élément, qui s'appelait avant élément de base, qui permet une fois combinée à une Materia élémentaire sur une arme ou une armure d'associer l'élément à l'arme ou à l'armure. Voilà. Donc on fait encore ce petit écran 63e et puis on s'arrêtera là je pense pour ce soir. Voilà. Bip bip, vérification du badge. Employé de rang B authentifié. Tu es autorisé à ouvrir 3 portes à cet étage. Si tu trouves des coupons, pense à les échanger contre des objets. Attention, les conduits d'aération peuvent s'avérer très dangereux. Évite d'y entrer imprudemment.
Donc bah là, moi je connais bien le casse-tête, donc on va le faire vite. Hein. On a 3 portes à ouvrir et il faut obtenir les 3 coupons, vu que c'est une perfect partie. Coupon A. Alors cet étage est entièrement optionnel, hein, vu qu'on a le badge 65. On pourrait aller juste au 65 directement. Qui se rappelle le live d'hier avec Hero qui a galéré. C'est pas évident quand on connaît pas. C'est vrai que il n'y a qu'une seule solution. Coupon B et enfin coupon C. Et d'ailleurs, si on revient à ce que tu disais tout à l'heure pour la batterie, Fistos, on pourrait songer à garder ses coupons dans l'inventaire parce qu'il reste dans l'inventaire ces coupons. Pour avoir encore plus d'éléments clés à la fin du jeu. Mais en vérité... Ah mais il est chiant. En vérité on va quand même échanger les coupons contre leurs objets correspondants. Donc voilà. On échange les 3 coupons. Pendentif étoilé, 4 orifices et matériel à tous. C'est un étage vite plié comme ça. Voilà. Bah salut Mr Bean. Fermé à clé. C'est les badges qui disparaissent je crois. Et d'autres encore qui disparaît. Pourquoi il a pas voulu obtenir la quête phoenix là? Voilà. Oh, c'est quoi ce troll sur le live? Bref, c'est pas grave, c'est bientôt fini. Je sais pas. Qu'est-ce que c'est, un mégaphone? Je ne vois pas l'intérêt de regarder ce truc-là, de rester cramponné à ce truc-là dans la version d'origine. Donc voilà. Comment on bannit les gens? Ouais, il y en a un qui spam un peu avec des textes de merde. Voilà. Donc bien sûr, ce qu'on trouve là... Salut Rowan. Comment on bannit les gens? Oh, de toute façon c'est la fin du live bientôt. Donc si on va là pour oui donc comme je le disais, l'arme, le mégaphone qu'on trouve, donc c'est pour ceux qui le savent, hein, c'est le méga, la dernière arme de Catsit qu'on ramasse pas tout de suite. Ah, le son du jeu est encore coupé, pardon, excuse moi voilà. C'était Bean, oui, il est gay apparemment. Salut Hugo Black, et il me suce la bite en plus. Bon, c'est moi, il était banni. Ouais, je sais pas comment t'appelles. Donc là, si on va voir les chiottes, il y a un message hors service, veuillez utiliser un autre bloc sanitaire Shinra, compagnie Shinra, service des réparations. Donc, ça, c'est pour nous inciter à voir les toilettes un peu plus loin, au 66e étage. On va faire un petit tour dans la salle de sport avant de terminer. Souffle, souffle, si tu es fatigué, tu peux te reposer dans la pièce d'à côté. Il faut que je surveille ma ligne. En tant qu'agent de la sécurité de cette tour, je me dois d'être en pleine forme physique. Oh, vous devez être un visiteur. Vous pouvez vous servir de toutes les machines libres. Ce qui est marrant, c'est que personne n'a entendu parler des intrus qui sont infiltrés dans le bâtiment Shinra. Alors là, il faut acheter la boisson énergétique du gymnase Shinra. Hop, pour récupérer des sources plus tard au disque 2. Ça fait partie de la perfect party. Alors on n'est pas obligé de taper dessus, hein, il me semble. Monsieur, que faites-vous? Pas de violence ici, je vous prie. Et un petit truc que beaucoup de gens ne connaissent pas, mais on va le rappeler. On peut essayer le tapis roulant. Voilà, et on peut même courir dessus.
Bah ouais, il y a beaucoup de gens qui savaient pas ça. Ah oui. On peut courir. Ouais, mais toutes les autres machines sont ne marchent pas, donc partir au plus vite ou continuer encore un peu. On va continuer encore un peu. Voilà, tu vois, il y a Faust 7 qui ne savait pas. Et on peut continuer encore longtemps, hein. Si on le fait 4 fois de suite, précisément, on a même droit à un tech supplémentaire. Oui, il fait chaud. Hein. C'est le genre de truc qui aurait mérité un succès sur Steam, le tapis. J'avoue que faire 4 fois de suite du tapis. Mais bon, les succès Steam, voilà, ils sont un peu ridicules, hein. Obtenir la première limite, finir le jeu. Ouais, c'est pas terrible, hein. Ouais, surtout le combat 3D, Fistos, qui est le truc le plus difficile du jeu, je pense. Ah, voilà. Donc, 4 fois de suite. J'ai l'impression d'être un peu plus léger. Enfin, je crois. Voilà, c'était le petit texte bonus. Une salle de repos. Prenons un peu de repos, alors. On va parler au type là. Laisse-moi me reposer. Et on va sauvegarder. Et je pense que c'est un bon moment pour terminer ce live qui a duré 3h45. C'est déjà pas mal. Sachant qu'on a après toute une phase avec la maquette Shinra, la réunion et tout ça. On pourra pas sauvegarder avant le labo 67ème. Donc je vous propose d'arrêter là pour ce soir. On a quand même pas mal avancé, hein, depuis la maison de Eris qui stagnait depuis 3 jours. Ouais, il y a beaucoup de textes à traduire, hein. Encore là on est dans Midgar. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut se balader et tout ça, mais une fois qu'on peut se balader, il y en a beaucoup, hein, des textes à... On peut en trouver. Ouais, Fistos, effectivement. Bah non, t'étais là l'autre fois, non, aussi, Fistos. Je rigole. Donc bah j'espère que ça vous a plu, en tout cas que vous avez appris des trucs, hein, si vous connaissiez pas tout ce qui a été fait. Puis bah on continuera assez rapidement, peut-être pas demain, parce que j'essaie de pas faire 2 jours de suite, sinon ma voix ne va pas suivre. Et puis demain en plus il y a Koh-Lanta quand même, hein, voilà. Et peut-être bah sûrement samedi soir, hein, samedi soir j'ai rien prévu, donc samedi soir vers 20h-21h on reprendra ça, on sortira de Midgar, on fera le passé de Cloud. Et puis on verra si on va jusqu'à la ferme et tout ça. Voilà. Si ça vous a plu et que vous n'avez pas encore fait, téléchargez le patch sur ff7.fr/neo-midgar. Jouez au jeu retraduit. Vous allez voir, ça change vraiment tout le jeu. Si vous avez pu regarder le live, vous avez un aperçu. Et puis un petit don, ça mange pas de pain. Et ça fait plaisir. Voilà. Bisous, bisous. Et dormez bien. Samedi, il y a Fort Boyard, effectivement. Je pense que Fort Boyard pourra se passer de moi. Je regarderai une rediff. Avec toi, bien sûr. Vu que tu seras sur mon live. J'ai bien enregistré. Hein. Hop. Bah voilà. Bye à tous. Merci d'avoir été là.